Du coup, je me suis dit que j'allais toucher deux mots sur un sujet que je trouve vraiment intéressant, qui est la compétition féminine, la rivalité entre femmes. Donc on a beaucoup documenté la rivalité, la compétition entre hommes, qui est une compétition assez agressive sur la réussite, les symboles de pouvoir, de succès, la domination, ce genre de choses. Et on a moins documenté la rivalité féminine. Alors il y avait ce TEDx d'une femme qui s'appelait Charlie Danger, je crois, qui était une historienne, et qui s'appelait « Pourquoi vous ne serez jamais la plus belle ?». Et je pense que le titre, déjà, est super intéressant. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça fait tout de suite écho. Ça montre bien que du coup, notamment cette rivalité féminine est basée en grande partie sur l'apparence physique et la beauté. Sans doute plus que dans la rivalité entre hommes. Et donc notamment, elle avait pris l'exemple de ce phénomène assez étrange auquel moi-même j'ai pris part, et sans doute beaucoup d'entre vous, qui est de suivre des comptes Instagram d'autres femmes qui sont magnifiques. Et en fait, d'une certaine façon, ça me fait du mal. Je crois d'ailleurs c'était Marina Rollman dans son spectacle, elle se moquait de ça, elle disait pourquoi est-ce que moi je suis Emrata, Emily Ratajkowski. Je sais pas si vous voyez qui c'est ce mannequin, moi, pour moi c'est vraiment le symbole de ce phénomène, d'aller suivre cette femme, elle est splendide sur Instagram, et en fait à chaque nouvelle photo, il y a une petite partie de vous qui meurt en fait, qui voit ça, qui fait « Aïe, j'ai mal !» Et malgré tout, on continue à faire ça. Et voilà, c'était ce qu'elle disait, cette historienne, dans ce TED, le fait que la rivalité féminine, c'est cette peur d'être supplantée par une autre femme. C'est ce concept que la beauté d'une femme va venir attaquer votre propre féminité en fait. Et voilà, la réussite d'une autre femme, plus que la réussite d'un homme, vient vous-même vous descendre. Et finalement, ce qui est vraiment, je trouve, intéressant dans la rivalité féminine, c'est qu'en fait, la compétition se fait pourquoi ? Elle se fait pour le regard masculin, pour l'attention des hommes, en fait. Bon, voilà, je vais pas vous résumer tout le TED, mais globalement, ce qu'elle disait, c'était ça a des racines historiques, en fait, assez intuitives. Finalement, il y a 100 ans, 200 ans, même 1000 ans, c'était les hommes qui possédaient le patrimoine financier, la sécurité, qui avait le droit de posséder des choses. En fait, les femmes n'avaient pas ces droits-là. Et la seule chance que pouvait avoir une femme, c'était de mettre le grappin sur un bon parti, donc c'était l'attention masculine. Et en fait, toutes les autres femmes qui passaient par là étaient une rivale potentielle. Et voilà, sa théorie, enfin, ce qu'elle explique, c'est que cet état d'esprit, ce serait un peu, je sais pas, comme de l'eau qui infiltre un plancher, ça aurait dégouliné jusqu'à nous maintenant, et ça aurait infiltré nos inconscients, nos conscients même, et ça fait ça. C'est ce qui influe ce comportement. Et c'est ce qui fait, voilà, que quand on voit Emily Ratajkowski, au lieu de se dire « chouette pour elle, elle est belle, franchement c'est super, bravo ma sœur », on se dit « aïe 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 ». Voilà, c'est assez intéressant quand même cette réaction, je trouve. Ok, alors c'est trop intéressant parce que dans vos messages, vous m'avez parlé de ces filles qui n'aiment pas les autres filles. De ce genre de meuf qui va dire « Non, mais moi j'ai pas trop de copines, je m'entends tellement mieux avec les mecs. » Et je pense qu'on connaît tous des meufs comme ça. Et je pense que même moi, j'ai déjà dû dire des trucs comme ça. Franchement, c'est pas impossible. C'est quoi ce phénomène-là? C'est tout simplement de la misogynie. C'est juste de se dire que ce qui est féminin, c'est moins bien que ce qui est masculin. C'est de dire que les filles, c'est compliqué, ça fait des histoires, ça fait des chichis. En fait, c'est de la misogynie intégrée. Et c'est même triste quand ça vient d'une femme d'être misogyne, parce qu'en fait, c'est une femme qui déteste les femmes et donc qui se déteste elle-même quelque part. Donc en fait, ça ne peut que être une personne malheureuse qui dit ce genre de choses. Il y avait une vidéo comme ça qui m'avait marqué il y a quelques années, quelques temps. C'était une vidéo de Solange Te Parle. Solange Te Parle, c'est une youtubeuse. Et sa vidéo s'appelait « Je suis misogyne ». Et en gros, elle disait que même dans ses vidéos, elle-même, elle s'était rendue compte qu'elle avait intégré la misogynie. Et qu'en tant que youtubeuse, elle faisait toutes ses vidéos d'une certaine façon pour que son public soit masculin. Donc elle parlait que de sujets sérieux, parlait surtout pas de maquillage... tous ses plans, voilà, elle se maquillait pas, elle voulait pas aborder ces sujets-là parce qu'en fait, elle voulait être prise au sérieux. Elle voulait pas que son audience soit une audience de femmes parce que selon elle, être une youtubeuse qui parlait à des femmes, c'était moins intéressant, moins bien vu que du coup d'avoir une audience masculine. Elle avait elle-même intégré la misogynie. Et en fait, si on y réfléchit là, je pense qu'on a toutes en nous des bribes de cette misogynie intégrée. Autre chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est dans les messages que vous m'avez envoyés, vous m'avez dit que selon vous, les femmes sont les pires en termes de se critiquer les unes les autres. Elles se surveillent, elles vont se cracher dans le dos, dire « t'as vu, elle a grossi, machin, elle a pris du poids, etc. » Ce qui est assez intéressant, c'est d'étudier ça sous un autre point de vue. Si on accepte qu'on est dans un régime patriarcal qui repose sur une domination masculine. Alors je sais qu'en disant ça, je m'expose déjà à des commentaires, je le sais, ça arrive à chaque fois, mais c'est pas grave.
grave si on accepte qu'on est dans ce régime de domination masculine et donc du coup qu'il y a un groupe de dominants et un groupe de dominés. On fait le parallèle avec tous les régimes d'oppression dans lesquels il y a une minorité qui se voit soustraire des avantages au profit d'un autre groupe. On voit qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent être adoptées par le groupe minoritaire pour regagner des privilèges ou des avantages. Et l'une de ces stratégies, c'est notamment la stratégie de la collaboration. Alors le mot collaboration, il est hyper mal connoté chez nous. Je ne fais aucun parallèle. Je dis simplement que voilà, quand on est un groupe minoritaire et qu'on subit une forme d'oppression, il y a plusieurs stratégies qu'on peut faire pour regagner ces avantages, notamment le fait de collaborer avec les dominants. Et donc du coup, c'est se joindre à la stratégie du groupe dominant, donc des hommes, en critiquant les autres femmes. C'est se distinguer des autres femmes, c'est dire moi je veux être avec vous les garçons, je suis pas comme les autres filles, je suis différente, je ne suis pas comme elles, je... Et voilà, on se joint à ça et en fait on perpétue le cercle de la misogynie. Cette stratégie de diviser pour mieux régner, c'était Alice Coffin qui en parlait bien dans Le génie lesbien. En fait elle prenait l'exemple d'un mariage dans lequel elle disait que tous les hommes sont habillés de la même façon. Ils sont tous en costume, en deux couleurs, alors que les femmes ont toutes une tenue différente, et si jamais deux femmes ont la même tenue, c'est horrible. Et en fait, c'est voilà, les hommes font bloc et les femmes sont divisées. Les hommes ont des espaces d'entre-soi dans lesquels il y a une espèce de fraternité, ils sont protégés parce qu'il y a un groupe, il y a une grande cohésion, alors que les femmes, voilà, c'est il faut que moi je sois mieux que les autres, il faut que moi je m'élève au-dessus des autres, je ne veux pas être comme les autres femmes. C'est une stratégie, ouais, de diviser pour mieux régner. Dans son livre Alice Coffin, elle dit quelque chose que je trouve vraiment bien. Elle dit, moi je ne critique jamais une autre femme. Dans un monde dans lequel la parole des femmes est tellement moins entendue que celle des hommes. Quand on voit le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration, quand on voit le pourcentage de femmes dans les milieux comme la finance, les femmes dans l'espace médiatique, dans la culture, le nombre de femmes qui ont été nominées aux Oscars, la parole des femmes est moins entendue. Et elle dit, est-ce que moi, en tant que femme, j'ai besoin d'aller critiquer une femme avec laquelle je ne suis pas d'accord, finalement? Est-ce que j'ai besoin de lui mettre des bâtons dans les roues supplémentaires? Et je trouve que c'est une démarche qui est très belle. Je prends l'exemple de Catherine Deneuve qui avait signé sa tribune pour la liberté d'importuner dans le monde. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Personnellement, je suis pas du tout d'accord. Mais quand je vois le backlash qu'elle s'est pris, quand je vois tous les commentaires qu'elle a pris, je me dis, est-ce que, en fait, on a besoin? Est-ce que c'est vraiment Catherine Deneuve qu'il faut museler? Est-ce que c'est vraiment sa parole qu'il faut essayer de censurer, de critiquer? Ou est-ce que finalement, c'est celle de tous les autres hommes, enfin de toutes ces paroles qui attaquent nos droits? Est-ce que juste le fait qu'une femme comme Catherine Deneuve et que toutes les autres femmes qui ont signé la tribune, que juste le fait que leur voix soit entendue, est-ce que c'est pas déjà une victoire en soi, en fait? Est-ce qu'on a besoin de créer des dissensions au sein du féminisme, au sein des différents courants de moi je pense que ça, etc.? Finalement, le fait que juste le féminisme soit entendu, que les femmes aient une parole et qu'on en parle de plus en plus, je trouve ça génial, donc voilà. Voilà. Bah, c'était ce que j'avais à dire sur la rivalité féminine. Sujet encore fort intéressant. Si vous avez des commentaires, des retours, n'hésitez pas à me les partager. J'adore vous lire à chaque fois, c'est génial. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et voilà.